إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تغادي الله سبحانه وتعالى تمرت ويلوز والله رب العالمين سيبك في نواة رسول محمد صلى الله عليه وسلم كمن مجل فاسبنا كمن سيبك نبغان سبان لكتاب نسي سبان فارول ونسي سبان أخشون نبينا دوت لولا. Meilleur conseil, c'est le conseil de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et meilleure invocation, c'est une invocation que Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait. En tant qu'un musulman, en tant qu'un suiveur de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous retournons vers cela vie, nous retournons vers une demande qu'il est fait envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous retournons vers une chose qui finit devant Allah Rabbul Alamin, nous trouve qui définitivement, obligatoirement, bizarre et là, ce qui appelle bienfait pour l'insan, si nous faisons des demandes pareil comme Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un Rasoul qui finit tout le temps, demande Allah Rabbul Alamin ce qui est meilleur au sa dunya là et d'akhira. Un Rasoul qui finit gagne, Jawa'ibul Kalim, de ce qui est parole qu'il y prononçait, et la grande leçon pour nous attirer là-dedans. Et Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un modèle définitivement, invocation qui nous fait, personnellement, les bons qui nous prend depuis Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a une petite parole qu'il y prononçait, et la grande effet, et la grande meaning de la vie de l'insan. Et, en même temps, nous bien comprendre, si Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'il est d'oubli important pour demander Allah subhanahu wa ta'ala certaines bonnes choses, l'il est d'oubli important pour t'allamer avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire sajda avec Allah rabbul alamin, pour faire demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous trouvons erreur de bonnes qui al passe par Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour demander nous bien telles choses. رسول محمد صلى الله عليه وسلم فسكن إيمان لفين دمان أن دعاء بك الله سبحانه وتعالى كي أغي على تلك كومبوز كاتي سوز كاتي سوز كي أنغلوب كي أنغلوب لابي دان إنسان لوسا دنيا لا كاتي سوز كي إن شاء الله لبوين على لفي دان سجمون لا سوى بالانس دفون أكسو لجوم دو قيامة كاتي سوز كي سي أنجمون لفين دان سابوا بير إن شاء الله سبحانه وتعالى nous capables de dire qu'il peut meilleur musulman et nous capables de dire qu'il peut faire ses efforts pour vivre d'après ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Allah Rabbul Alamin vient enseigner. Connais qui Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce ben invocation qu'il vient faire lui c'est une invocation qui en réalité nous visons prendre l'exemple de Bissa parce que c'est ben dua que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient faire définitivement. Mais c'est aussi une dua qui nous enseigne en tant que musulmans, en tant qu'ils se suivent, pour demander de cette façon-là. Abou Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu,
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كي رسول محمد صلى الله عليه وسلم شفيت بمولى بك الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك ولا مبدمانتو الهدى لجداس والتقى التقوى والعفاف إلى ابتناس والعنى إلى غشيس كاتب شوز كي رسول محمد صلى الله عليه وسلم شنا لأتي فينا لا بيشيك في دمنا بيت الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك الهدى ولا مبدمانتو لجداس والتقى التقوى الله سبحانه وتعالى والعفاف إلى ابتناس والعنى إلى غشيس connaître ce qui est iman si Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il commence par la guidance qui fait parce qu'en tant qu'un insan et en tant qu'un musulman nous obligé à la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala si aujourd'hui une famille ban qui pas peut t'allamer avec roche pas peut faire ce qu'il peut pire c'est pas permission Allah subhanahu wa ta'ala c'est guidance Allah rabbul alamin fin de nous c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala fait chacun l'iman, pareil comme on guide l'insan vers le chemin droit, Allah rabbul alamin, d'une façon seconde, les capables égale n'importe qui s'anna. Alors, quand nous finissons la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas d'une haine qui nous domine ou nous loye, ne va prendre compte à terre. Mais quand j'y demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, Quand il persévérait pour les manos, Allah Rabbul Alamin, donne-moi la guidance qui fait, parce qu'en tant qu'un insan, ça même qu'il se qui plie un poteau pour un musulman, il y en a l'eau salatier là. La guidance, c'est digne et authentique. La guidance, c'est pour Ahl et Sunna de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après compréhension des bons sahaba et bons salaf de sa umma là, c'est pour ça même que c'est un iman. قال رب العالمين الحديث قد في لجيه يا عبادي أبو من إسلاف كلكم ضال سيتم زدت زد بان إغاري إلا من حديته اكسبت بان كي مفين جدلي فاستشهدوا أهدكم ألو دي من ولا جدانس أفن كي مجد زد فشك نيمان لا جدانس يقول لهم يالله سبحانه وتعالى نبا قول أكون لاتليزانس نبا قول أكون مفكانسي المسجد N'a pas trop la cause de correct avec un tel ou bien un tel, alors vous finissez la guidance, non, c'est la guidance divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je t'ai dit mon, comme langage arabe, quand je t'ai dit mon, qui n'a fait avec ban ulama, mais seulement, à aujourd'hui, ban n'a fait ban gros égaré, à aujourd'hui, ban n'a fait un vide, fait un légèrement au clair, alors quand nous fait trouver, nous capables de faire ça discernement, entre bien et le mal, entre ta plus vraie et ce qui fausse, c'est pas permission Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'idance qu'Allah rabbul alamin fin de nous, c'est ça, cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous, ça cause un frère chacun iman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finance une fujia, ihdina s-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, la guidance frère chacun iman, c'est pas juste la guidance hein, n'importe qui chose, mais c'est la guidance de l'aqida. Un aqida qui pure, un aqida qui pareil comme Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un aqida qui pas mélangé avec shirk, ni pas mélangé avec bid'a, un aqida qui pareil comme Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et souvent sahaba tiena. La guidance c'est ça, la guidance c'est pas juste une fois sur la puis il y a un bon temps, il y a obligatoire le sac musulman pour faire cinq fois sur la bordeau, mais seulement la guidance est nos aqida. C'est nous connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une conception de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une conception de man sahaba radiyallahu anhum, c'est une conception de man livre, et dans le jour dernier, et de Qadar, etc. Alors, quand nous en tant que musulmans, nous visons mettre une balance, nous visons quelque est-ce qu'il y a une conception qui est moyenne, Aqida qui mouena, est-ce qu'il y en a accordance avec Qur'an et Sunna? Est-ce qu'il y paraît pour Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et comme ça même frère Shekina Iman, sa guidance qui nous fait des mains avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une guidance pour faire nos ibadats comme Allah rabbul alamin et Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam financez nous. Quand je dis peut faire ibadat Allah, Quand je t'ai dit mon peut faire salat, mais seulement quand je t'ai dit mon, je te salat ou bien je te ibadah, il peut contredire façon des pieds de Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on nous connaît?
l'acceptation de ta ibada, li baser le des conditions à l'ikhlas, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxième, mutaba'atu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bidayna l'exemple de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'oula, afin qu'il nous ibadat, l'accepté par Allah rabbul alamin. Alors, afin qu'il nous capable faire nos ibadat correctement. Afin qu'il nous fasse une salade d'après sunna de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la guidance. Aujourd'hui que nous trouvons tout le monde qui peut faire salade. Chacun peut faire salade de une façon. Chacun peut faire salade de façon qu'il y voulait. Chacun peut faire ibadat comme il y a envie. Et n'a pas fait certaines bonnes ibadat ou ma bonne bid'a qui peine à ce chose dans l'islam. Mais seulement il peut penser. Il peut adorer Allah Rabbul Alamin. Alors écoute la guidance. La guidance est aussi de ibadat. La guidance est aussi faire ibadat. كما رسول محمد صلى الله عليه وسلم في نصينه في الصلاة كما رسول صلى الله عليه وسلم في نصينه رسول محمد صلى الله عليه وسلم جي صلوا كما رأيتموني أصلي في الصلاة طيب مثل في توبة في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءكم سنحاج خذوا عني مناسككم قد في دموا زلبا عد حج جسك عبادة كنو بفير Sa salat qui nous peut faire, nous guetter, est-ce qu'il y en a abondance avec sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien non? Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut faire sa ibadah de sa façon là? Je vais faire ibadah de sa façon de faire qu'il nous peut faire là? Ou bien est-ce qu'il nous peut suivre avec les mains? Nous peut juste rattendre, nous finir apprendre? 15 bananes de cela, 20 bananes de cela, de madrasa, ou si Allah nous montre une façon de faire salat, alors on va continuer à maintenir l'eau-là. Après, c'est qu'il y a une image, toute la guidance. La guidance, c'est aussi de l'ibada. La guidance, c'est aussi façon de faire. Nous manhaj qui nous est là. Nous faisons vivre la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comportons de la terre, Allah rabbul alamin. La guidance de nos meilleurs caractères. Ça cause ça même, c'est qu'il y a une image, qui quand Ali rabbi Allahu an, Et que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je fais des bouts pour faire salat, je vais faire takbir et je fais dire, Allahumma ahdini li ahsan al-akhlaq, oh Allah, guide-moi vers mes meilleurs caractères, la yahdi li ahsaniha illa anta, toi fais je n'ai pas tout vers les meilleurs de mes caractères, excepté toi, wasrif anni sayyaha, et écoute de moi, بان مبي كاراتي كي كاباب انا لا يصف عني سيئها الا انت كابي سنة فا اكاد دي موا بان مبي كاراتي اكسبتي توا الو فشكين ايمان لا جدان سي اوسي دو كاراتي سي اوسي دو نو كومبورتمان كي نشان نو كومبورتمان انفير نو مادام انفير نو زانفا انفير نو ميشي انفير نو فوازان انفير بان نو سولدي انفير نو كامراد ان مسلمان لي ديزا انا لي ديزا ديفلوب دون لي ان بون كاراتي رسول محمد صلى الله عليه وسلم كمان صحابة رضي الله عنهم بل في نبان يا عائشة رضي الله عنها قلت أنه كعصيد رسول محمد صلى الله عليه وسلم لفين غفون كان خلقه القرآن سو كعصيد تلك القرآن بجيه فريقه ما القرآن بينا وكان ديفو بينا وكان مقبا كم سامين رسول محمد صلى الله عليه وسلم سو كاراتير سو كومبورتمان سو فاسون وازير سو فاسون فوزي et de n'importe quelle chose c'était la perfection alors il vrai En tant qu'insan, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection de nos caractères. Nous ne sommes pas capables d'une du monde qui ne pas faire errer. Nous ne sommes pas capables d'une du monde qui ne pas faire péter. Mais seulement au moins, nous sommes capables de diminuer le nombre de péchés qui nous peuvent commettre. Nous sommes capables de diminuer le mauvais caractère qui nous est là. N'importe qui s'en a parmi nous, nous connaissons nos défauts. Nous connaissons le mauvais qui est là dans nous. Nous connaissons le mauvais qui est là dans nous. Et musulmans, ils vous ont posé même la question. Qui est le mauvais qui est là dans moi? Qui ban mauvais caractère en a dans moi, qui en a fort, nous trouvons des gens qui font cela avec moi. Qui ban parole en a fort, vous prononcez, vous trouvez certaines bandes qui font ce qui peut faire mal, ou bien ce qui peut changer. Alors, frère, ce qui est l'imam, ces bandes qui sont, qui viennent, nous disons, dresse ça nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une traîne. Allah rabbul alamin, il fait une livrée. Chacun en a son propre caractère. Chacun en a son propre façon de causer. Chacun en a son propre comportement. Chacun a sa propre réaction, mais seulement ça ne veut dire qu'il n'est pas capable de contrôler nos émotions. Ça ne veut dire qu'il n'est pas capable de contrôler nos réactions. Ça ne veut dire qu'il n'est pas capable de contrôler la langue. Si vraiment nous vivons un meilleur instant, demandons à la Rabbul Alamin la guidance vers un meilleur caractère. Nous guettons qui va nous mettre en dans moi. Qui m'a de mauvaise chose qui est dans moi, qui m'a de mauvaise tarté qui m'a capable de diminuer, nous tout qui l'a fait ce qui est iman, nous connaissons nos mauvais qui est dans nous.
nous connons le mauvais qu'il y a dans nous, nous connons l'événement fort qu'il y a dans nous, alors que c'est qu'il y a l'iman. En tant que musulman, nous visons des mains de ta guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, mes frères, c'est qu'il y a l'iman, la guidance avec Allah Rabbul Alamin, lui englobe aussi qui nous est honoré dans Kabar et dans Akhira. Quand il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah Rabbul Alamin, il nous guide vers le chemin droit. C'est un l'honneur qu'Allah Rabbul Alamin fait de nous de dunya et même de akhira. Et ça, il commence de Kabar. Quand nous sommes prêts pour finir entier nous, Kabana pour finir cette latéelle en nous, Kabana avec moi j'irai bien aller, Kabana pour finir des mandats pour nous, pas quoi nous finir faire, pour nous sommes prêts, c'est qu'il nous finit fait enterrer, comme ça même chacun son tour, nous pouvons être questionnés par la soupape en anse, qui s'en a nous rab, qui s'en a nous prophète. Et qui dit nous finissons suivre, si nous finissons gagner la guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons capables de répondre à cette question-là. Mais si, faisons gagner la guidance avec Allah Rabbul Alamin, nous ne battons pas de dire Allah subhanahu wa ta'ala, moi ne prends pas ici, moi ne prends pas là-bas, moi ne suis l'éloquence, moi ne suis majorité, moi ne suis pas n'appli beaucoup de gens, moi ne suis un tel parce qu'on est causé, comme on dit 10 000 qui peut couler, parce que c'est un iman. C'est pas ça la guidance. La guidance commence. Tu as demandé une question de Kabar qui s'en a ton rab. Nous capables de répondre, nous rab c'est Allah. Mais comment vous capables de répondre? Nous capables de dire ça jour là, nous rab c'est Allah. Faut nous venir guider dans la terre de Rabbul Alamin. Faut vraiment nous finir gagner sa guidance divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, si nous capables de répondre. Et comme ça même, frère, c'est Neymar. La guidance de Akhira, le jour de Qiyama. Quand nous avons un amal, nous avons une action pour être pesé de balance, et comme ça même frère c'est qu'il est iman, après qu'il nous acquérit la guidance, un musulman quand il est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'ibizat développe dans lui ce qu'il appelle l'ira, pour dire Allah Rabbul Alamin. L'ira, c'est lui il y a un zalifiant pour ce dîne, pour ce l'islam, et il y a un dégoût immense quand il peut trouver un bidra pour être commis devant lui. Quand il peut trouver, banakida en bala ou qui ban jimoun peut suivre. Quand il peut trouver les gamins au clair, qui ban na peut être fait ça. Un jimoun qui vient être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement, l'ibizé en a dégoût pour sa ban les gamins là. Il n'est pas capable de dire, mon gars la guidance, les ban peut suivre l'islam. Mon gars la guidance, mais seulement ban na peut suivre moi je tous les. Parce que l'iman c'est errer. En tant que musulman, quand nous gagnons la guidance, obligatoirement, obligé et n'a dégoût pour ban guidati, obligé et n'a dégoût pour ban qui donne les gamins, obligé et n'a dégoût pour ban pratique égale qui ban n'a fait faire, ou bien qui ban n'a fait invite bien ça. Alors, parce que l'iman, en même temps, quand nous gagnons sa guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est protection avec Allah Rabbul Alamin contre les gamins. Les gamins, n'importe qui moment, ils sont capables de frapper nous. À travers une parole qui est égarée, vous voulez dire, vous venez d'écouter. À travers un livre, un égaré que vous finissez lire. Ou bien à travers n'importe qui, doute qui va nous amener. Cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette protection avec Allah Rabbul Alamin contre les gamins. N'a pas croire qui, quand nous finissons la guidance, les gamins n'y pas loin. N'a pas quoi quand il y a une guidance, la porte est gamin pas ouverte, la porte est gamin est ouverte, mais nous visons cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième qu'il soit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin de demande avec Allah Rabbul Alamin de sa doua là, c'est wa tuqa, c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah Rabbul Alamin, en réalité, il concerne nous en action. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, il concerne nous en action, tandis qu'il guidance, les concernent nos connaissances, les concernent nos dînes, les concernent dînes qui nous fait apprendre, et les concernent dînes qui nous voient pratiquer, tandis qu'il y a quoi, les concernent nos bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban qui fina min iman, ittaqullah, gain taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi, un vrai taqwa, wa la tamutunna ina pamo, illa wa antum muslimun, excepté de un état, que je peux soumettre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, c'est un iman, taqwa Allah Rabbul Alamin. Qui veut dire taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre une barrière entre nous avec coller Allah subhanahu wa ta'ala. Mettre une barrière entre nous avec péché. Mettre une barrière entre nous avec désobéissance à Allah Rabbul Alamin. Mettre une barrière entre nous avec bonne mauvais caractère. De n'importe quelle façon,
n'importe qui mauvais capable dans l'aula d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa Allah Rabbul Alamin. Mette un barrière entre nous avec désobéissance. Mette un barrière entre nous avec coller Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait ce qu'il y a Iban. L'Ipavine accepte que N'Jimoun, l'Ipine développe ça dans lui. C'est N'Jimoun qui peut apprendre ce dîne. Quand je m'en dis la guidance, ce qui est l'imam, quand il peut apprendre l'islam, il peut vivre l'islam à ce moment-là, qu'il vous gagne ta toi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait tout l'important pour mettre sa présence devant le Madisul Ilm, devant le casque puissant un dîne qui est authentique, quand il fait tout l'important pour rester à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut trouver sa présence à la place d'Allah Rabbul Alamin, peut augmenter son iman, et peut faire les gains dès que vous pensez, à ce moment-là, oui, il peut gagner ta toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ta cause même, que Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin fait sa douala avec Allah Rabbul Alameen, mais dit à mettre un barrier en toi avec ce désobéissance, c'est à cause ça même, qui comme ça même, il m'a soudé radiallahu an, quand il pécite, tafsir, il pécite concernant, d'être à quoi Allah Rabbul Alameen, comme avisa, il dit à en yutwa'a fala yuqsa, c'est qui te obéit à lui, que pas désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, wa en yutkara fala yunsa, et tu penses Allah Rabbul Alameen et tu vas oublier lui, wa en yashkura fala yukfar, et qui tu vas montrer toi-même, et tu remets Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vas montrer toi-même un gras envers Allah Rabbul Alameen. Reste que l'Iman, tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas désobéir à lui. N'importe qui l'autre, qu'Allah Rabbul Alameen vient donner, et n'importe qui désobéissance, qu'Allah Rabbul Alameen vient empêcher, nous obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas dire, nous pas de nos capacités. Nous pas dire de l'époque qui m'opé vivre, pas pour capable mettre en pratique. Nous pas dire non, mais m'opé vivre, mais nous en tant que musulmans, n'importe qui moment, n'importe qui l'autre vient vers nous, n'importe qui PC vient vers nous, nous connaît qui ça c'est un erreur, ça c'est un égorement, ça c'est un PC. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez un barrière entre nous avec désobéissance à Allah Rabbul Alameen. Et comme ça même, nous pensons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous ne pas oublier lui. Comment est-ce qu'un musulman pense à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Allah, à travers le Coran, à travers le reste de bonne façon que nous apprenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait nous penser à Allah Rabbul Alameen. Mettre nous présents dans le masjid. Apprendre Allah subhanahu wa ta'ala et lire la parole Allah Rabbul Alameen n'a pas laissé un jour passer de nous la vie excepté qu'il nous lit le Coran, n'a pas laissé un moment passer de nous la vie excepté qu'il nous guette de Mushaf, excepté qu'il nous lit la parole Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un iman quand nous connaissons la réalité. L'amour n'importe qui moment est capable de frapper nous. N'importe qui moment en l'amour est capable de présenter devant nous. Comment est-ce qu'il est capable de débouler devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça joue qui vient prendre nous la vie là. Nous pas finir en aller au Coran. Nous pas finir en aller au Coran. Nous pas finir des efforts pour y arriver Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous pas dire Allah Rabbul Alameen? Qui nous pas dire, oh Allah, ça joue de ne pas nous la vie là. Peine bien dans un lieu de livre. Ça joue de prendre la vie là pendant une semaine. Vous pouvez être mushaf. Vous pouvez lire le livre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est l'iman. Pense Allah Rabbul Alameen. Fais zikr Allah maximum qui nous capable. Fais zikr Allah maximum qui nous capable. Laisse la langue là mouillée avec zikr Allah. Pense Allah subhanahu wa ta'ala. Ça il faut aider pour réaffirmer l'iman. Ça il faut aider pour venir un meilleur musulman. Ça il faut aider pour venir un qui pourrait être dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'un jimoun fâchait un iman, il laisse la langue avec Zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, il peut travailler, il peut marcher, il peut conduire, la langue mouillée, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, ça il faut aider nous pour permission Allah subhanahu wa ta'ala pour renforcer sa iman. Il faut aider nous pour rester avec ma désobéissance à l'œil en même temps. Il faut augmenter ta iman là, il fait nous gagner un taqwa ferme et indépendance ferme. Lo Allah subhanahu wa ta'ala. Alors frère, ce qui est iman, viens un musulman pareil. Viens un musulman qui nous gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Viens un musulman qui développe taqwa Allah Rabbul Alameen dans nous. Viens un musulman qui nous connaît, qui nous guide en ce qui nous vient de la main Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous en tant qu'un serviteur, et nous en tant qu'un esclave, nous dépendons Allah Rabbul Alameen. Quand nous demandons ta douala avec Allah subhanahu wa ta'ala, il peut prouver une dépendance envers Allah Rabbul Alameen. Il peut prouver que nous, en tant qu'un esclave, nous ne sommes pas capables de faire rien.
أودكني إسلام كلا رب العالمين تجدنو إسأل سبحانه وتعالى كي جنو تقوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طواجم كتسوكي رسول صلى الله عليه وسلم في ديماندي سي والعفافة l'abstinence. Qui veut dire l'abstinence? L'abstinence en réalité, l'ivrement important pour qu'il sache musulman, il a ça dans lui, lui cultive ça dans lui, afin qu'il vienne pas une meilleure musulmane. L'abstinence, frère, c'est qu'il y a un imam, c'est qu'il y a une personne, lui pas les seuls qui est attaché avec ban jouissance d'unia. Un dimoun? Lui pas les seuls qui est attaché avec ban jouissance d'unia. Nous vous êtes qu'on fait la différence entre un dimoun qui se laisse attacher avec dunya et un dimoun qui fait travail. À aucun moment il n'est pas haram pour qu'un musulman il travaille, pour qu'un musulman il accumule une richesse, pour qu'un musulman il fait ce business prospérer, etc. Mais seulement au contraire, quand on peut vivre dans un pays contre une minorité, une de bonne façon pour montrer nos capacités, ou bien pour montrer qu'il est supérieur envers les koufars, c'est à travers nos richesses. Quand nous, en tant que musulmans, nous sommes dans notre propre hôpital, dans notre propre école, nous sommes tous propres pour nous tout seuls, ça c'est un moyen pour montrer que nous, en tant que musulmans, nous supérieurs, qu'il soit le dunya, qu'il soit le akhira. Et à aucun moment, nous ne pouvons pas être telle armée avec ta banne qui peut adorer notre apport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, nous faisons qu'on fait la différence entre un qui se le fait attacher avec dunya. Qui veut dire un se le fait attacher avec dunya? Veut dire un jimoun qui lit. Il est capable de laisser ibadat Allah. Il est capable de laisser l'obéissance à Allah. Il est capable de contredire la parole du Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 10 points pélas à rentrer. Les salats qui font ce travail pour ce business prospérer ou bien ouvrir des trois places encore, les rentes qui pâturent de l'intérêt, ou bien les impôts dans toutes choses qui les connaissent haram. Ou bien les faire ban qui sont vendés qui nous connaissent, ban pour mal servir, ou bien ban pour servir ça de ban façon qui ban pour adouer notre apport à Allah Rabbul Alamin avec ça. Alors frère Chekine Iman, c'est ça qu'appelle les filles attachées avec dunya. Ni pas prendre compte halal haram, ni pas prendre compte l'eau de l'apport à Allah Rabbul Alamin, ni pas prendre compte ban qui sont Allah subhanahu wa ta'ala qui l'empêchait, mais pour lui tout halal. Pour lui, salat pas important, mais c'est ça qui est plus important. Pour lui, l'autre de la porte d'Allah Rabbul Alamin c'est important, mais pour lui, l'argent qui peut rentrer là, c'est important. Pour lui, frère Chekine Iman, paix n'a aucun halal, paix n'a aucun haram, tant qu'il a l'argent peut rentrer. Alors, c'est ça qui a fait les pieds à ta avec dunya. Il fait tout pour tout. Il fait tout ce ban maximum d'efforts qu'il est capable. 10 fois 6000 richesses. Et Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient enseigner pour une intimune qui, il a l'abstinence dans nous. Nous restons avec dunya. Nous restons avec ban jouissance dunya. Connaissez ce qu'est Neyman. Un dimon, il faisait travail au sa dunya là. Un miché, un chef de famille, il faisait nourrir ce madame, ce ban enfants. Un musulman, il faisait travail. Ensuite, il tient ce zakat. Mais seulement, il ne faut pas nous faire errer. Qui n'a fait halal, bin haram, n'a fait haram, bin halal. Connaissez ce qu'est Neyman. En tant qu'un musulman, nous visons comprendre comme Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa ahlul jannat thalatha. Il y a trois cas de régimen qui pour parmi les habitants de la jannah parmi là-dedans il dit wa afifun mu'affifun dhu 'iyal et ban qui abstina et incorruptible et ban qui n'a jamais on veut dire ben, c'est ban musulman qui se plaît pas d'assez avec dunya ça qui nous gagne alhamdulillah. C'est qui halal, alhamdulillah. Et un zimoun qui est abstinent envers dunya, c'est un zimoun qui connaît ce travail haram. Ou bien, cela de rentrer puis haram, il fait ce défaut, il arrête avec ça plus vite qu'il est capable.
Il parle de tes deux mains qui sont occupées. Non, parce qu'il fait. Quand il connaît cela, ça va être haram. Il connaît ce business haram. Il connaît ce travail haram. Ou bien il connaît façon de dire ce business haram. Plus vite qu'il est capable, ou bien tout de suite, il est obligé d'arrêter avec ça. Ça, c'est un musulman qui se ne vient pas d'affaire avec Dunia. Tandis qu'il est là, vous dites non. Molesti, vous voulez pendant un an, des ans. Ensuite, moi, je vais Hajj. Ensuite, moi, c'est Umrah. Moi, je demande Tawbah avec Allah Rabbul Alamin. Ça fait jeu avec Dina Allah. Ça fait ça. Fait jeu avec Dina Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dijia à Abu Zar. Oh Abu Zar, abstenir pour éviter tout ce qui est haram. Et évite t'allamer avec Benjamin. C'est ça, Al-Afaf. C'est Benjamin. Qui n'y pas t'allamer avec personne. Un musulman qui aime. Qui. Tant capable pour se proclamer du travail, tant capable pour se proclamer une chance madame ses enfants, tant capable de faire ses efforts pour lui-même personnellement, peu n'importe la mère avec personne, et comme ça même connaître ce qu'il y a l'Iman, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma dunya fil akhirah, sa dunya là, en comparaison avec akhirah, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, isba'ahu fil yam, fal yanthu bimada yarji'a. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne compare la vie dunya avec la vie akhira. Il dit à sa dunya là en comparaison avec akhira. Il n'est pas bonnant ni accepté comme si quelqu'un. Il dit mettre sur les doigts de la mer. Alors il dit avec qui quand il dit il retourner, quand il dit retirer sur les doigts. Mais d'un dimon, il prend sur les doigts, il met de la mer. Il retire sur les doigts. Ça suffit de l'eau qui peut couler là, ça c'est dunya. En comparaison avec Akhira qui s'est la mer qui va se la fèche qui est iman. Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il peut informer nous concernant un exemple, nous visons réfléchir là. Nous visons un musulman qui réfléchit. Il ne faut pas nous un musulman qui nous porte un musulman. Non, nous un musulman à part entière. Nous un musulman qui nous connaît. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pour empêcher tout petit chose qui bon. Alors en tant que musulman fait ce qui est iman, nous restons. Nous faisons abstinence concernant dunya. Ban qui sont haram. Et en même temps, nous restons avec tristesse de Ban Jimoun. Connais frère ce qui est iman. Quand je fais Jimoun Kumha, l'iget un tel ou bien un tel, l'iget un tel qui peut faire ou bien un tel comment peut arriver, celui qui a fait mal, ou bien l'iget est capable d'arriver, l'iget comment d'alou et une maladie qui ronge celui qui est en tant qu'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala finit des traits pour nous nourrir. Mais seulement nous faisons faire des efforts. Nous faisons faire des efforts pour atteindre parce qu'il ne nous connaît pas. Quand je t'ai Allah Rabbul Alamin qui est créé pour nous. Mais seulement si demain nous faisons travail, nous ferons un travail, nous faisons les faire dépasser tout bien les mêmes. Alhamdulillah, c'est Allah Rabbul Alamin qui est créé pour nous. Nous faisons nos efforts définitivement. Il ne faut pas nous attasser avec tristesse de nos frères. Il ne faut pas nous aller, nous mettre léger ou bien nous faire jalousie. L'autre qui nous frère ou bien nous faire peut atteindre, frère, ce qui est iman. Aujourd'hui, c'est une maladie qui peut ronger sa société là. Frère, 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 qui fait la cause de la vie d'un fils qui moi. La cause sur le Dieu, privé des modèles. La cause sur la case de l'État en plus. Frère, ce qui est iman en tant que musulman. Nous visons comprendre que tout cela c'est éphémère. Tout cela c'est éphémère. Si vraiment nous en vie, vilain musulman, qui meilleur, alors pas t'as tous les gars avec dunya. Pas t'as tous les gars avec tristesse de Banjimoun qui nous connaît. Mais fais nos propres efforts et demande-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça nous fait ce iman, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien écrit qui demandait, c'est Al-Ina, c'est la richesse. Ici, c'est la richesse qui est de nous l'équerre. C'est la richesse de nos iman. C'est la richesse de nos iman. Mon Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit «Laysa l'ina an kasratil arad, walakin l'ina rina l'nafs». Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit «La richesse, c'est pas qui te possède beaucoup d'objets, mais la richesse, c'est la richesse de te l'équerre. Qui veut dire la richesse de l'équerre? C'est nous satisfaire et c'est qu'Allah Rabbul Alamin qui nous donne nous. Nous vivons dans l'islam, pour Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit «Warda bima qasama Allahu laka, takun aghnanna», satisfait avec ce qu'Allah Rabbul Alamin qui nous donne toi comme te parle au sa dunya là, que vous vivez la personne qui est plus riche. Et c'est un jimoun, il accepte que c'est mon parle au dunya,
mon fait mes efforts, mais pas réussir à arriver. Mon fait mes efforts, pas réussir à ramasser. Mon fait mes efforts, pas réussir à atteindre tel ou bien tel objectif. Accepter ça, l'ivine de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand je dis accepter ça, l'ivine de la part d'Allah, l'ivine de mon qui riche, comment l'ivine de mon risque, pas ce compte la banque pour augmenter. Mais l'ivine de mon risque de considération Allah, dans l'ipévie, bien loin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'irrespect avec pas de mauvaises pensées. Li fait bon penser l'Allah Rabbul Alamin. Il accepte de faire Allah subhanahu wa ta'ala. Il est satisfait avec ce qu'Allah Rabbul Alamin qui donne l'eau sa dunya là. Ça c'est important frère, c'est un iman. Nous sommes satisfaits avec ce qu'Allah Rabbul Alamin qui décrété. Nous ne sommes pas capables de laguer avec Allah Rabbul Alamin. Nous ne sommes pas capables de coller avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la richesse du cœur, c'est nous accepter ce qu'Allah Rabbul Alamin qui donne nous. Et nous vîmes un djinn qui plie risque encore. Et comme ça même connaît ce chacun iman, Allah subhanahu wa ta'ala, il le hadith Qudsi, Yabna Adam, Ozafa Adam, tafarraq li ibadati, libiaka pour faire mon ibadah, amla usadraka ila. Me remplit la poitrine avec richesse, wa asadda fakraq, et me bouche de pauvreté, wa illa taf'al, si tu vas faire ça, si tu vas faire mon ibadah, ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك بجسد بافيها بافيها من عبادة مغامرة دلامي avec occupation et mon appareil de pauvreté alors que ce qui est iman en tant que musulman nous capable pauvre nous capable pas posséder de l'argent mais seulement qui nous vient satisfaction de nous l'écrire concernant des qu'Allah subhanahu wa ta'ala et nous accepter ce qu'Allah rabbul alamin qui donne nous capable vivre plus bien. Et nous dormons pris bien, qui s'adjoint qui peut posséder pas un million, mais peut vivre le haram, parce que c'est l'image, c'est la différence qui est là. Quand nous gagnons taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous gagnons l'adhérence avec Allah Rabbul Alamin, quand nous vîmes un livre même, de l'abstinence concernant sa dunya là, nous gagnons la richesse du cœur, nous vîmes un qui nous satisfait, c'est Allah Rabbul Alamin qui nous décrété, quand nous trouvons un livre même, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, paix de moi, il suffit pour nourrir mon madame, mes enfants, alhamdoulilah, parce que c'est iman, un jour pas ça, un jour dans une bouma, un jour pas pour le tombe de man haram, ni pas pour le tombe de man pété, ni pas pour le tombe de man contradiction, mais frère, c'est un iman, quand nous vînons un jour pareil, nous vînons un jour qui abstenait de sa bonne petite chose là, nous vînons un meilleur insan, nous vînons un meilleur musulman, et nous vînons un qui tout le temps, nous pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'un jour, qui n'y pas trouve non, n'est bon, à aucun moment, il ne peut pas le remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mais un jour qui peut trouver, il peut trouver même si dit en abarakat, même si dit qu'il nous est capable de survivre pendant un mois, nous capables de nous, madame, nous avons fait ce fait bizarre. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah Rabbul Alamin. Elle n'était pareil, c'est elle n'était qui tout le temps pour remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour une faveur. Et nous remercie Allah Rabbul Alamin, c'est qu'il donne nous. Et nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il finit décrété. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Li pardonne nous pour nous battre moi. Qu'Allah Rabbul Alamin ni aide nous afin qu'il vienne un meilleur musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Li fait nous vienne parmi sa bande musulmane là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne une jannah de fidos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.